Bonjour les dames et messieurs, amis fidèles à Congo Live Télévision. Bonjour de partout, vous nous suivez. Bonsoir, ça dépend de quel point vous êtes en train de nous capter à ce jour. C'est début de la semaine, nous avons encore l'honneur de recevoir Georges et Alain Lambir au cadre de l'IDPS. Monsieur Georges, bonjour, encore une fois de plus. Oui, bonjour. Bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour les amis. Et bonjour les frères et sœurs congolais. Partout où vous êtes, aux États-Unis, en France, au Canada, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, Afrique du Sud, Tanzanie, Kenya, Gabon, Congo Brazza, partout où vous êtes, et alors, et aussi les Congolais à l'interne. Je vois presque toutes les 33 villes de la RDC. Je vois Mboka Mokonzi Kinshasa. Et je vois surtout nos frères de Goma. Mais un accent très particulier aux mamans et aux papas, aux enfants, aux femmes, aux filles et aux vieillards qui logent les cas de déplacés dans les environs de Goma. Là, je vois déjà Bouchagara, Mugunga, Bulengo, Rusayo, Dobosko-Ngangi, je vois Kanyaruchinya, avec autres plusieurs cas. Mais seulement, pas seulement les qui se trouvent dans les cas, mais aussi les gens qui se trouvent dans les écoles, les églises, et plusieurs autres maisons publiques dans la cité de Kaina, de Kirumba. Là, je parle des déplacés qui sont venus de Kanyabayonga. Je vous salue tous. Nous ne sommes pas ingrats et nous ne ferons jamais, pas même un seul jour qui pourra se passer. Ça pour autant songer à vous qui êtes dans les cas. Parce que vous êtes des innocents, surtout victimes de notre bonheur. On recherche notre bonheur, mais c'est vous qui êtes victime. On vous chasse des forces dans vos maisons et vous êtes dans les cas de déplacés. Vous souffrez. C'est comme si vous êtes un sacrifice pour que la paix revienne. Moi, je vous dis, nous sommes ensemble avec vous. Toute la souffrance que vous endurez, c'est avec nous, c'est avec moi, Georges, surtout avec moi. Moi, je suis avec vous. Il y en a qui peuvent croire que non, voyez, le gouvernement nous a délaissé, voyez. Il y en a qui parlent beaucoup. C'est vrai, c'est la souffrance. Mais la première personne qui souffre par cet événement, il s'appelle Georges, il s'appelle Félix, il s'appelle toutes ces personnes-là les plus concernées qui aiment le bonheur de ce pays, souffrent avec vous. Ne croyez pas que parce que lui, il dort dans sa maison, il est en train de finir tous ses sommeils, bon, c'est comme si lui, il est bon. Non. On peut même ne pas sommeiller à cause de vous. C'est-à-dire vous anticipez à la souffrance qui est... Nous participons à cette souffrance et nous partageons la même souffrance. Surtout, nous solidarisons avec ces gens-là. Et ne croyez pas que nous sommes tranquilles parce que vous êtes là. Non, on ne dort pas. Nous souffrons. Moi, je suis... Imaginez un bébé dans les cas de déplacés. Dans une petite maisonnette comme ça. Oui. Exposé à toutes les intempéries. Imaginez des femmes, une femme enceinte dans cette bicoque. Imaginez une personne infirme. Il y en a qui ont de l'infirmité, des infirmes, donc des handicapés physiques. Comme surtout ceux-là qui ne savent même pas marcher. Mais dans des cas de déplacés, il plaît, il est là. Nous sommes des cœurs avec vous. Voilà. Les gens de Béni, ces orphelins-là, moi je vois ces orphelins-là, ces mamans-là qui ont été même kidnappées, qu'on a portées disparues, aller les garder dans les cas des adeptes. Imaginez ces mamans-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour mériter ça? Nous sommes ensemble avec vous. Mais vous êtes des innocents, vous êtes des sacrifices de ce pays pour que ce pays
se retrouvent maintenant, vous, on vous prend pour des rançons. Mais vous, allez, vous serez libérés un jour. Et surtout, les gens qui sont dans les cas de déplacés rentreront dans leur maison. Et ce n'est pas tard. Tout ça, c'est le gouvernement congolais qui devrait assumer ça. En fait, le gouvernement, oui. Pour mais la nous, de ces mais gens. Tous les Congolais. D'abord, le gouvernement, oui, au premier plan. Mais tous les Congolais. David, je peux m'imaginer, je peux être très, très, très triste quand vous pouvez voir un déplacé de guerre et vous demander même 100 francs et vous les lui privez. Alors que vous en avez, par exemple, 1000. Vous n'êtes pas Congolais. Vous êtes Kagame à ce moment-là. Imaginez un déplacé de guerre à qui même on a privé même de l'école, à qui on a privé même. Je pouvais même amener cette affaire-là, je vais le montrer ici sur caméra. Mais imaginez par exemple, imaginez, amenez-moi, venez vous deux ici. Filmez-les là-bas. Vous voyez par exemple ces deux enfants. Et vous les privez. Ils sont ces enfants dont je parle ici, mes sœurs congolais. Ce bébé a laissé sa mère dans le camp. Ce garçon a laissé sa mère dans le camp. Ils sont en train de. Ces deux enfants. Ils sont multitudes. Ils sont en train de se déplacer pour demander. Ne fût-ce qu'un safra. Ils sont là en train de commander. Et vous voyez, ils sont en train de demander. Mes chers frères, ces enfants souffrent. Congolais, je voudrais que cette image tourne le monde entier. Imaginez ces enfants. Et vous êtes, je ne sais pas où, vous êtes un directeur général d'une entreprise de l'État. Et vous ne pouvez même pas sortir. Mais quand même. Non. Ça va. Alors, on parle ici de la situation sécuritaire dans l'est du pays, très précaire, où M. Georges aujourd'hui est en train de faire appel à tous ces gens-là qui aujourd'hui devraient d'ailleurs venir en aide à tous ces déplacés de guerre. Ces enfants souffrent, ils sont en train de déambuler un peu partout dans la ville, il y a les risques d'être cramponnés et tout le reste. Les cas comme vous venez de l'observer tout à l'heure. On parle ici du cas de Kanyabayonga. C'est quoi la situation actuelle aujourd'hui? À Kanyabayonga, nous avons les sourires aux lèvres. C'est bon. Les sourires aux lèvres. L'ennemi est là. L'ennemi ne verra jamais, encore jamais, Kanyabayonga. Pas plus qu'hier. Hier, ils ont voulu tenter vers 4h du matin. Ils ont voulu tenter encore percer vers Kanyabayonga. Mais ils ont été baptisés par le feu des FRDC, de Wazalendo. Il faut voir. Selon les dires, il semblerait que même une camionnette de l'ennemi a été reprise, a été prise de force. Il y a eu même des rendus. Alors les cadavres, là, on ne parle pas. Imaginez arriver même à ravir une camionnette qu'on appelle convoi. Ils sont morts, mais ils ne lâchent pas. Pourquoi? C'est l'endurcissement de Kagame avec ses alliés. Vous savez, c'est lui qui va trouver la mort. N'accepte pas les conseils. Si Kagame était réellement un président africain, panafricaniste, la guerre aurait déjà pris fin. Mais lui, il ne fait qu'envoyer les enfants d'autrui à la guerre, au mouroir. On les massacre, ils partent recruter d'autres, ils viennent, on les massacre, et ainsi de suite. Imaginez, depuis qu'il a commencé à renforcer, ça fait 2 ans et demi, depuis qu'il a commencé à renforcer en homme, dans seulement le territoire de Rutshuru, il n'a jamais même contrôlé tout le territoire de Rutshuru. Pour ceux qui connaissent Rutshuru, les groupements Binza, voire même une partie de Busanza, n'ont jamais été sous la brise de l'ennemi. Pour ceux qui connaissent Rutshuru, celui-là qui connaît Binza, avec une partie de Bukoma et une partie de Busanza, ce sont des parties qui n'ont jamais été libérées par les, qui n'ont jamais été pris plutôt, qui n'ont jamais été pris ou conquis par les M23. Pour vous dire que tout Rutshuru n'a jamais été conquis. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la partie de Kanyabayonga, parce que Kanyabayonga, la cité est divisée en deux. Il y a une partie dans les Rutshuru et une partie dans les Lubero. Même Kanyabayonga n'a jamais été
pris par l'ennemi. Quand vous arrivez même vers Bukombo, au milieu même de 623, je salue mon vieux Domi avec votre groupe qu'on appelle Nyatura, Mouhutu Halis. Vous êtes les parmi tant d'autres. Ils font un bon travail. Un grand travail. Imaginez David, Domi, lui, avec son patriotisme, il s'est donné la force de libérer à l'intérieur même de l'espace contrôlé par les M23. Il s'est donné cette force-là. Moi, je te dis, Domi, tu es fort. Il a libéré, vous savez, il a libéré Bambo, il a libéré Kabizo, voire même une partie de Tongo, Bukombo, Butare. Cet espace-là, contourné par l'espace Kongi, par le M23. Et lui a dit non, trop c'est trop. Et moi je lui ai dit, Urimu Gavo Chane, tu es fort et tu mérites un grand Muzalendo. J'étais en train de dire, à Kanyabayonga, nous sommes là. À Kanyabayonga, celui qui voudrait aller vers Kanyabayonga, il est en train de jouer avec la mer rouge qui a avalé les Égyptiens à l'époque des pharaons. Celui qui voudra aller vers Lubero, il est en train d'hypothéquer sa vie. Un seul élément M23 qui voudra aller ou tourner sa figure vers Lubero, il est en train de creuser sa tombe. Il serait mieux que Kagame ait pitié de ces enfants-là qui sont en train de trouver la mort. Et les Ougandais aujourd'hui, arrivés à Kanyabayonga, arrivés dans le parc de Virunga là-bas vers Kanyabayonga, ce ne sont que des mouches et des insectes qui sont en train de manger, de fêter leur corps. C'est une fête pour les mouches là-bas. Chers Africains, là je parle à Ruto, je parle à Museveni, je parle à Kagame et je parle à Kir, Salva Kiir. Laissez être des marionnettes, des blagues qui vous envoient à la mort, qui vous demandent d'envoyer vos affaires à la mort inutilement. Vous êtes nos frères africains. Est-ce qu'un seul jour, Museveni ou Ruto peut demander aux Américains d'aller tuer les Canadiens, ils vont accepter? Ça ne peut pas arriver. Est-ce que réellement Kagame peut dire à Biden aujourd'hui, Biden, allez tuer les Mexicains? Est-ce que réellement M. Biden va accepter? Est-ce que Kagame peut réellement donner conseil à Macron d'aller tuer les Belges? Et Macron réellement va dire, bon, vous les Français, allez tuer les Belges. Ils vont accepter. Mais seulement parce que c'est la sorte de bêtes, des marionnettes, des inutiles, des faquois. Ils acceptent de venir tuer les Congolais pour le compte de l'Occident. Ils acceptent. D'abord, avant tout, Congolais, Rwandais, Ougandais, nous sommes tous des Africains, nous sommes des frères. Nous n'avons pas le droit de nous faire la guerre, de nous faire la mort. Ça, non, ça ne peut jamais. C'est là qui peut vous engager dans cette voie-là. Il vous trompe et il est votre ennemi. Kagame. Tu sais que ces Rwandais que vous envoyez à la mort en RDC sont plus importants que les Français. Parce que pour les Rwandais d'abord, ce sont ces garçons-là qui peuvent venir construire le Rwanda. Mais un Français ne quittera jamais la France pour venir construire le Rwanda. Non, ça n'existera jamais. Ça n'arrivera jamais. Ruto, tu vois aujourd'hui ta jeunesse, tu n'es plus capable même de maîtriser la jeunesse aujourd'hui. Tu n'es plus capable même de dire, même j'ai même suivi des femmes donner des gros mots. Tu es maudit. Et maintenant, à cause de ça, toi tu viens encore, tu prends quelque chose, cette jeunesse et tu la vois en RDC pour la guerre, pour être massacré par nos avions.
tu es moins intelligent. Et d'abord, entre nous, Congolais et les Kenyans, nous sommes d'abord des frères. Mais les Américains sont tes frères à l'indirect, à 4e, 5e, 10e position. Comment tu peux accepter l'offre d'un certain, je ne sais pas, Bill Clinton, Bill Gates, pour massacrer tes propres frères africains? Tu es moins intelligent. Monsieur Georges, est-ce que dans la guerre dans l'est du pays, il y a quelque chose qui est caché derrière dont les Congolais ne savent pas? Vous savez, plusieurs Congolais ne savent pas que les motifs de la guerre, ce sont nos richesses, nos ressources. Il y en a d'autres qui ignorent ça, qui croient que non, c'est parce que les Congolais n'ont pas de force. Non, non, les Congolais sont très forts. Très, très, très forts. Ils n'accepteront jamais que les gens viennent seulement amasser les chez eux et retourner. Non, ça, oubliez. Si vous voulez venir cueillir de nos fruits, passez par Kinshasa. Négociez, toquez à la porte. Ouvrez-moi. Et on va vous ouvrir la porte. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais aussi amener une entreprise pour exploiter, par exemple, les coltans ou peut-être la cassiterite de l'Est, de Rubaya. Et le Kinshasa va vous donner des pistes, des solutions. Il va vous ouvrir même des orientations à suivre. Et réellement, vous viendrez réellement creuser ou alors exploiter la cassiterite ou le coltan. Il n'y a pas de débat. Mais dire que vous allez venir du Kenya, entrer par la forêt, je ne sais pas, de Kanombe ici, de Rubangabo, et entrer vers le parc et aller à Rubaya, là vous aurez des problèmes. Ou alors, Ebla va vous dire, non, Ruto, tu vois, amenez-moi ta jeunesse, envoyez cette jeunesse, on a dressé pour aller chercher des minéraux. Cette jeunesse va mourir en RDC. Et Ruto, tu es malheureux. Tu ne dois pas envoyer ta jeunesse pour le mouroir ici. Museveni, d'ailleurs tu es morbide, tu es malheureux. C'est par là qu'on va même finir, monsieur. Oui, oui. Pourquoi dans cette affaire, il y a sous forme de comment dire? On ne parle pas fort de Museveni, pourquoi? Je l'ai toujours dit, Museveni est là. D'ailleurs, le rapport des Nations Unies a démontré que le Museveni est aussi là. Mais Museveni, il y vient sous forme d'une rébellion, mais chapeautée par le Rwanda. C'est-à-dire Museveni, c'est quelqu'un qui est au service du M23 Rwanda. Même Ruto et les autres, ils viennent par le dos du Rwanda et se filtrer chez nous par le soi-disant M23. Allez voir ce qui se passe à Kanyabayonga. Si vous êtes intelligent, essayez d'aller. Essayez d'abord de consulter même certaines personnes de Kanyabayonga, comme vous êtes de très loin, et demandez combien de jeunes de chez vous ont péri. Et vous les sacrifiez comme ça. Qu'est-ce que Biden vous donnera, vous, de retour contre cette jeunesse que vous êtes en train de massacrer, de sacrifier comme ça? Alors que cette jeunesse est très, très utile et importante pour le développement de toute l'Afrique. Aujourd'hui, vous faites appel à Ruto, vous faites appel à Kagame, mais également à Museveni face à la jeunesse qu'il continue à sacrifier. Effectivement, ils sont en train de faire tuer la jeunesse inutilement. Mais aussi, certains Congolais aussi inutilement. Nous, Congolais, qu'est-ce que nous avons fait de mal contre vous? Il n'y a rien. Venez passer par la grande porte et vous trouverez guère de cause. Je veux dire que même hier, Rubaya, c'était déjà les qui bougent. Et là, à Rubaya, il faut voir. Bon, en tout cas, vous serez. Bon, vous faites chaque fois croire que moi, je ne fais que parler. Mais je suis en train de vous indiquer à la fois, je sais. Imaginez, les M23 arrivent à Rubaya, ils prennent les affaires de Rubaya, au lieu d'aller peut-être les bien les traiter. Toutes ces jeunes qu'on avait amassées à Rubaya, selon nos informations, que cette jeunesse a déjà été exterminé, tué par ces rebelles-là. Et vous maintenant, Ruto, vous, je ne sais pas qui, je ne sais pas Hollande, je ne sais pas Sarko, disons l'autre, Macron, je ne sais pas qui, ou je ne sais pas multinational, tel. Et vous, pour vous, ça vous intéresse pas. Vous êtes maintenant content quand les gens sont en train de mourir.
des malheureux, vous êtes des malheureux. Vraiment. Voilà, on va finir par un message aujourd'hui, lundi. Vous êtes des malheureux. On finit par un message à ces Wazalendo, ces jeunes résistants Wazalendo, qui ont juré de ne jamais laisser Kanyabayo. Vous savez, tous les Wazalendo, et aujourd'hui je vais vous dire, avec la politique de Fatshi, toute la jeunesse congolaise est déjà Muzalendo. Là, je vous dis la vérité, franchement, actuellement, tous les jeunes Congolais sont des Wazalendo. Ils n'accepteront pas. Vous savez, dans le régime, pendant le régime passé, le régime de Kabila avec les siens, ils prenaient les Wazalendo pour des forces négatives, des forces de banditisme, je ne sais pas comment. Mais un président intelligent arrive et dit, c'est cette jeunesse-là qui est en train de revendiquer la cause de leurs ancêtres. C'est une réserve, c'est une armée de réserve. On finit un message avec... Et alors, au Wazalendo, cher Wazalendo, le métier que vous avez choisi, c'est un métier très, très noble. C'est un métier qui vaut la peine. C'est un métier qui a marqué l'histoire de la RDC. Aujourd'hui, dans le monde entier, le vocabulaire Wazalendo de la RDC, c'est un nouveau vocabulaire dans tous les livres écrits déjà par l'époque contemporaine d'aujourd'hui, disons l'époque moderne d'aujourd'hui. Et l'époque contemporaine d'aujourd'hui a compris maintenant que nous avons joué avec ces Congolais. Maintenant, ils sont en train de se libérer eux-mêmes. Et les FRDC sont des Wazalendo, et les Wazalendo non armés sont là, et les Wazalendo armés sont là, et tout, même les filles, tous sommes des Wazalendo. Et comme ça, à partir de cette même, de ce vocabulaire Wazalendo, je suis en train de féliciter Félix. Vraiment, tu as tous mes honneurs. Toutes mes honneurs plutôt. Félix, tu as toutes mes honneurs. Pourquoi? Tu as toutes mes honneurs parce que toi, tu as prouvé à la face du monde que la libération ne peut venir que de sa propre population. Aujourd'hui, les Wazalendo sont une simple population, mais qui se sont réellement vengés, qui se sont fâchés contre l'envahisseur. Et cette façon de faire a encore créé davantage ce que nous appelons la cohésion nationale. Aujourd'hui, tout le monde, nous sommes soudés les uns les autres à cause de ces mots Wazalendo. Merci beaucoup, Monsieur Georges. Vraiment, c'est une innovation dans ta politique. C'est donc la fin de cet entretien. C'est une grande innovation dans ta politique. C'est la fin de cet entretien avec Georges Gérald Ambiro. Nous vous disons merci. Merci d'avoir été présent à nous suivre. Merci également, Monsieur Georges Gérald Ambiro. On va finir par votre numéro. Et je suis à contact au plus 243 9 79 27 31 68. Merci beaucoup, dames, messieurs. On se retrouve à demain pour d'autres actualités. C'est moi qui vous remercie.